C'est une des traditions les plus sympathiques du Salon du Végétal qui s'est tenu pendant 3 jours au Parc des Expositions à Angers. Depuis 2002, les élèves en BTS Design du lycée Jean Monnet des Herbiers sont en effet invités à plancher sur le monde horticole avec cette année un thème imposé, celui de la plante responsable, respectueuse de l'environnement. C'est un univers qu'ils ne connaissent pas a priori. Du coup, ça leur donne une sorte de fraîcheur dans la façon d'aborder la question et ça décuple, je dirais, leur capacité d'innovation. Si les élèves de ce BTS Design n'étaient pas a priori attirés par cette thématique, force est de constater qu'ils ont fait preuve d'originalité. Voici par exemple un cache-pot qui respire et qui se transforme ainsi en un être vivant. Solène Guillois et Céline Avria ont quant à elles utilisé de vieux vêtements et des bouteilles en plastique pour leur création. Il y a une doublure à l'intérieur, imperméable, thermosoudée, qui permet de récupérer la terre et l'eau dont la plante a besoin. En fait. Elle est dans des vieilles, des friperies où ils exposent des vieux vêtements, donc surtout Emmaüs, qui ont bien voulu nous donner les vêtements qui étaient invendus surtout. A noter que certaines de ces créations seront ce week-end à découvrir lors de la manifestation intitulée Végétal en fête qui se déroulera à Angers au Théâtre du Quai.